Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de The Outer Wilds. Ce nouvel épisode, je sais plus ce que j'ai dit. Ok. Bon, question numéro 1, est-ce qu'il y a une autre entrée? Une entrée secrète? Un fusil d'assaut? Je l'avais pas pris parce que je suis trop gros, voilà, trop lourd. Et que j'en ai une chier aussi au passage, hein. Quoique, je pourrais peut-être le prendre. Et le cuté. Voilà, je l'ai cuté. Quelqu'un qui a réagi ou c'est moi? Coucou. Bon, ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a des choses dans les... Ouh! Des colliers, des trucs, des machins, des bidules. Ok. Ah ah! Une bague d'or. C'est des mines? C'est des motherfucking mines. Et en plus elles sont ultra sensibles. Oh, genre ça me touche. Par contre, à quoi bon mettre des mines? C'est pour jeter tes potes dedans. What the fuck? Ah ah. Comment ça? Fondoir vibrant. Ouh. Et je suis encore plein à craquer. Bon. Apparemment, il n'y a pas d'autres backdoors. Donc. Autant en profiter pour passer par cette porte-là. Peut-être un peu moins de monde. Après, à la limite, si j'avais pu, je serais monté et puis je... Je suis sûr qu'il y a moyen. Non, le personnage veut pas. Ceci ressemble à l'endroit où il y a la porte dans Skyrim. Bref. Essayons par ce côté-là. Voyons voir. Bah, c'est beaucoup plus calme déjà. Mission lourde, pièce d'armure. Vous me donnez tellement de choses. Un bracelet. Cher. Derrière la porte numéro 1. Ils m'ont entendu? Barricadé. Ah. Ceci est quelque peu problématique. Cela dit. Ah, mais j'ai déjà fait du piratage du crochetage. Eh, hey, passe, hein. En vrai. Tox, détox. Encore être full en 2-2. Ça, c'est l'objet de quête. C'est Naïsoulou. Ça, c'est pas allumé. Ok. C'est quoi? Vous me donnez des trucs que j'aimerais bien prendre, mais j'ai pas de place. D'accord. Un revolver. Bah voilà, chercher un pistolet. Est-ce que je peux transférer, c'est quoi? Voilà. J'aimerais jeter ce pistolet. Y mettre celui-ci. Je suis pas full. On va pouvoir s'équiper du gros pistolet. Oh, 94. Bah, 100. Ah bon? Dégâts 37. Dégâts 20. Ah oui, d'accord, c'est parce que celle-là n'a pas la même cadence de tir. Effet spécial, recul. Saignement. D'accord. Oh. Je sais pas pourquoi c'est à la mode, les porte-clés.
quoi ça? Ouh! Chiant ça. Bonjour toi. Bon. Allons-y. Salut. Ok. C'est à moitié con en termes d'IA. Quoique, je prends cher mais je m'en rends pas compte en fait. Bon, arrêtez de se battre avec ça. Ok. Mm-hmm. J'ai l'impression que le... la salle de premier secours, ça doit être ça la salle de premier secours, du coup je vais pas la prendre. C'est comme dans Skyrim, c'est à dire que quand vous prenez les clés, vous ne prenez plus l'XP. Il y en a encore hein. Vous savez l'XP de... de quête. Je devrais les taper au cac en fait. T'en viens là? Putain, ça prend 3 plombes. Ça me fait de l'XP, en vrai. Bon, c'est pas grave. Prendre la place, tout ça. À la limite, les munitions, oui, mais... Firefly. J'ai jamais vraiment regardé la série. Tout le monde me dit qu'elle était vraiment bien. Ça va peut-être m'y intéresser. Oh! Oh mais... Ce jeu veut me faire récupérer des choses. Salut! C'est con quand on est aveugle quand même, hein. Bon. Ça doit être la salle barricadée. Très bien. Ouh, pardon. Encore une carte. Elle prend même pas de place normalement. Bon, ce qui est bien, c'est que ça me fout le paquet de munitions. Ça, je devrais prendre tout ça, mais le problème, c'est que j'ai encore une fois pas suffisamment de place. Nicopad. Oh, sabre le sentinelle. Bon, ça, c'est typique. Je suis pas sûr que ce soit cette pièce-là, finalement. Non, ça, c'est la pièce de base. Et c'est dans l'autre sens, je suis con. Oh, il y a un truc qui est verrouillé. Piraté. Wouh! Encoder une carte d'accès de premier secours. Oh, d'accord, ok. Ouais, bah ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Cartouche d'octo, pièce d'armure, Pacer's Chow. T'es fouillé, toi? Arme à une main plus. Bientôt disponible, d'accord. Ok. Aucune idée. Ok, c'est comment t'apprendre le bestiaire. Primate, ouais, bah jusque là c'est pas... Poisson. Sauton, dommage. Un briquet. Y'a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils jettent des gens là-dedans et pourquoi ils meurent? Une vilaine bébête? Ou ils jettent les cadavres? Ils jettent les cadavres! Touché! Ça c'est déjà ouvert, hein. Un message! De Rosenberg. Bonjour, un connard de carte d'accès du hall est réparé, il ne devrait plus être dans... Rappel de game, si vous pouvez pas dire de carte d'accès, je vais faire un plan de nouveau pour bien. Maintenant on est dans mes trous, dans notre budget, d'accord, ok.
Bah, il y a l'air d'y avoir une bestiole dans le coin. Une mante régalienne. Oh, ça m'intrigue, hein, j'ai envie de... lui tirer dessus. Soyons honnêtes, hein, c'est... Ça, je veux, hein. Pourquoi tout ce que je prends a l'air de... Ah bah, je suis pile à 80, en fait. À la limite, ça, je peux le virer. Oh! Oh, je me sens fort d'un seul coup. Ok. Bah, escalator. Yeah. Toc, toc! Rien d'autre? C'est vrai? C'est quoi ce bouquin en fait? Ça fait plusieurs volumes que je récupère, mais ça m'apporte rien. Plus de pseudo-pommes, j'adore ce truc. Ok, très bien. Oh! Une espèce de gravité à la con! Nice! Bon bah, ça c'est fait, hein. Comme on dit chez moi. Du coup, si ça c'est fait, on pourrait aller faire aussi l'autre mec qui est pas dans la ville. Vous savez, le mec qu'on est censé récupérer l'argent. Et qui est pas censé être dans la ville. Quest, ça va être où? En journal. Rapporter les médicaments à nos trop chers défunts. Voilà. Au sud-est. Et là-bas. Et jusque-là, on s'en sort pas si mal, en vrai. C'est pas moche non plus, le jeu, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus magnifique. Ah bah non, c'est la porte, en fait. Ok. Pour moi, quand j'entends sud-est, je me dis que ça va être... forcément... Attendez. Et si ça, en fait... Ah! On va aller faire ça à l'intérieur, c'est pas grave. Ah, je peux pas glisser, c'est vrai. Dans la plupart des jeux auxquels je joue en ce moment, je peux glisser, donc j'essaye, mais pour le fun, mais j'y arrive vraiment pas. Pardon, messieurs. Excusez-moi, je rengaine, voilà. On va quand même rendre son médicament au pauvre pesteux, là. Salut, les mecs. Bien, la coupe de cheveux. Ah, ce serait bien de fermer la porte si t'es malade, bonhomme. Bonjour. Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Il a pourtant de vrai. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. D'accord. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. Thanks. Allez, I'll see to pognon. It that this medicine gets to the people who need it. Here. J'ai dit que j'étais pas gentil. Something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again. Don't want to make a habit of consorting with smuggler types. Elle pourrait me vendre. Charme, jamais, dommage. Au moins, donnez-moi un petit quelque chose en guise de souvenir. Oh, ça me plaît bien. You do have some cheek on you. Lucky for you, I kept a little contingency fee in case you tried to negotiate with me. Ah. Ooh. Somebody deserving. Silas, on account of him being out in the cold. Amelia, seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room? C'est une fille gentille, en tout cas. Très bien. Bon, bah écoute, Ah, ma réputation a changé. Ah bon? Ah. Pourtant, je peux dire que je leur ai fait du mal à eux, hein, dès le début. J'ai pas été un des mecs les plus gentils. Bonjour. Bon. Allez, on n'aborde pas le sujet. On va voir s'il nous le rappelle lui-même. Voilà. Ouais, c'est vrai que le mec arrêtait pas de se plaindre. Alors ça peut être soit le jeu qui te fait en sorte de te faire... voilà, on va lui dire.
But why? I was dependent on you. Oh, does le terme dépendant. Robbing an old man of his last shred of hope? C'est plutôt sympa. You really are a piece of work. I hope somebody with plague spits in your drink. So, you're just here to watch me die or what? Et là, normalement, le mec il est en train de se pisser dessus là quand je fais ça. Oh mais oh. Tu m'en fais pas ce coup là. Pourquoi ma réputation est réduite? Je n'ai absolument rien fait que quelqu'un ne sache. Je vais même pas le voler, j'en ai pas envie. C'est ce qui... Si le mec il est malade et que derrière il a cette réaction là, c'est qu'il avait un vrai problème. Voilà. De toute façon, j'ai pas justifié mes actes. C'est un jeu vidéo, je fais encore ce que je veux. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes au courant de ce que j'ai fait? I appreciate what you've done, but we shouldn't be seen together. Dommage. J'aimerais bien qu'on se voit un peu plus. Du coup, juste pour voir. Ah, c'est vrai que pour le coup. Bon bah du coup maintenant faut sortir. Bonjour. Ludwig Miller. C'est joli dans le coin, dis donc. Oula. Bonjour. Je comprends qu'il faut pas le faire chier, lui. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. C'est Silas qui m'envoie. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Voilà pourquoi fallait que ce soit moi qui aille. Qu'est-ce que tu racontes? The war, the coming apocalypse, man versus machine. Tudum tudum tudum. I'm talking about mechanical soldier, cold, heartless automatons made of iron and lies. Un T-800, un T-1000, de quoi tu parles? Just my luck. I asked for backup and the boss sends me one of them simple folk. Ah, enfoiré. Right. Pourquoi j'ai l'impression que vu que tout le monde me prend pour un con, je vais devoir tuer tout le monde? Auto. Mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant, clattering about. Oui, je devrais pas vapoter pendant les vidéos. Birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Non, juste derrière toi en train de te... Shoulder to shoulder with the resistance. Si tu veux, s'il faut tuer des choses et que je suis payé pour, moi. Sautuna cans, mostly, some spaces chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Les vraies armées paient des primes d'engagement. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Je préfère. C'est ce que je dois faire. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Si je vais aller traquer un éclaireur automatique, j'aurai besoin de quelques conseils. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is the blue glowy square thing. Ok, merci beaucoup. Allez. C'est dommage que je ne suis pas changé de. De quête on the go. À bas les robots. Par où? Ah, tu te fous de ma gueule, je viens. À bas les robots, c'est par là-bas. À 138 mètres. C'est parti. Et je cours. Sur le chemin. Cani et quitte.
combo. Ce combo de folie. Ah, je suis trop lourd. Fuck. Je m'en fous du journal. J'espère que vous avez eu le temps de faire pause pour le lire. Ah, oh, c'est casse-couille. Tu sais quoi? Ça, ça fait pas assez de dégâts. On équipe ceci. Ça fait la même quantité de dégâts. C'est donc officiellement de la merde. Voilà. Mais ça a plus de gueule. Une tronçonneuse! Nice! Et donc ici, il y a des choses qui bougent. C'est con parce qu'en fait, tu voles pas vraiment? Comme bestiole? T'aurais pu t'envoler vers moi depuis 3 heures? Faire. Et garder ton avantage, mais non, t'as pas su faire! Shame on you if you can't dance too, hein! Bon, on a un point de. On a des points de compétences à mettre. Hop, 1, 3, 4, 5, 6, 7, c'est très bien. Ah, j'en ai plus que 3 restants. J'aurais bien aimé avoir ça. Il y a le dash vers l'avant. Voilà, c'est pas mal. Ouh, j'ai récupéré un avantage. Je peux appliquer? Merci. Ah oui. Oui. Ah, moins d'emmerde. Du coup, c'est un ennemi ou c'est un... Bonjour. Navigation systems failed, unable to comply. C'est une décharge, pas en hangar de réparation. Et endommagé? Damage to navigation systems detected. Attempting to return to designated repair bay. Error. Navigation systems failed. Il est cool ce petit robot. Navigation systems have determined this location as Spacer's choice. Designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a spacer's choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. Donc en fait, il est au bon endroit. Ouais, mais c'est couillon, je veux dire. Le hangar. Oh, drone de combat. Ouais, il est au bon endroit en fait. Jusqu'à partir du moment où ils sont endommagés, en fait, ils vont tous là et ils crèvent bêtement. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un... Tiens. Un truc de réparation, peut-être. Non, ce serait cool que je puisse le réparer et le garder pour... Bibi. Tu veux pas que je te garde? En vrai? Pour être réparé, te garder et puis... Ou alors faudrait que je trouve un autre système de navigation, peut-être dans le coin. Ah! Oh. Dommage. Bon bah... Si c'est au-dessus... Non, je sais pas. Apparemment non. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. J'aimerais que tu me regardes dans les... Ah, attendez, il y a des caisses. Non. Pourrais-tu s'il... Attends, je peux pas le réparer? Ah, c'est dommage. Je suis désolé, poteau. Cerveau brillant. Je l'aimais bien, moi! Merde! Fais chier! J'aurais vraiment gardé, moi! Bon, mon argent, j'espère que ça valait le coup! Ça dit, je suis pas encore allé voir un seul vendeur. C'est bon, il est mort. Hein.
You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its headcase? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. Mm-hmm. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one. And the enemy is Legion. What you need is an equalizer. A weapon to strike fear in their cold, mechanical heart. Tu parles d'armes? Cantina, lavatory. Behind one of the toilets. That's what? Why I've kept it hidden all these years. Ok. Je vous tiens au courant dès que je l'aurai trouvé. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Moi, je veux bien qu'elle y traîne. Ok, Cantina, chiotte derrière un toilette. Ah d'accord, c'est littéralement un baraquement. Ok, toi, vous voyez, c'est maintenant que j'ai un petit peu. Faut alors que j'aille vendre ma merde quand même. On va passer chez un. Chez un vendeur quand même au passage. Peut-être qu'à la cantina on pourra vendre 2-3 trucs. Non! Ne s'ouvre pas. Je crois que c'est ça que je viens de buter en fait, en vrai. Ah, je l'ai pas. Ah non, j'ai... Voilà. Merci beaucoup. Pardon, je vais rengainer mon arme. General Store. Bonjour. It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. Mm-hmm. Music to my ears. Ok, compétence de commerce, ah bon? Ok, remise 8%, ça va. On a connu pire, je veux dire. Ouais, alors là, déjà, tous ces trucs de... De bouffe là. Pourquoi ça? Ah. Oh, c'est long. Tout ça, j'en veux pas, moi, des cons. Je joue jamais avec les consommables. Pourquoi ça. Pourquoi ça commencerait? Ok, très bien. Ça, je veux les garder de préférence. Ça aussi. Par contre, tout le rebut, ça, je veux bien vendre. Voilà, ce qui me fait un total de 2300 pesetas, ce qui n'est pas mal. Par contre, ils affichent pas le poids. C'est vraiment dommage, ça. Et donc, au niveau des trucs... Oh, Maxwell! Arme à une main. D'accord, ça, c'est quoi? Arme lourde... Mitrailleuse légère! Ah bah, c'est... Au niveau du papier, c'est pas mal, hein. Oh. D'accord. Ok. T'achètes les trois. Merci. Allez. Ciao, bye bye. Hein. La cantina. Bonjour, où sont les toilettes? Restroom. Ah, bah voilà. You read the latest report. Only the part that said we ain't making our quotas. If only McDevitt's folk hadn't abandoned. What we can do about that? What? We can have another 0G. What? Retour. What? Ouh! Pistolet perforateur, j'ai lu. Je ne dis pas non. Monsieur Aïe, cartouche d'octo. Ouais, ta musique 13, ça se vend bien. Mais ça, ça se vend pas à des gens normaux, donc c'est pas intéressant pour l'instant, vu que je ne sais pas à qui le vendre. C'est un peu comme dans Skyrim, c'est difficile de trouver la personne à qui vendre les choses. J'ai quand même bien volé, en tout cas, pour ce qui est du début. Munitions, j'aurais pu les prendre. Après, vous voyez l'endroit, quoi.
Je check juste s'il y a des choses intéressantes et secrètes à récupérer. 4 octo, vous voyez, 4 par 4, je vais pas... Oh, nice. Dans une poubelle, en plus. Ok. Bon, bah, Ludwig, c'était quoi ta merde, là? Il y a un truc qui va pas, là. Ça me plaît pas. Là je suis pas d'accord, monsieur Ludwig. J'ai payé de ma personne. J'ai tué un ami que je m'étais fait, qui était tout nouveau, qui était sympa, qui avait de la gueule. J'aurais peut-être pu être réparé. Et merde. Et vous, vilain monsieur, vous me dites, ah, j'ai une super arme pour toi. Et finalement... Bring us honor, soldier. J'ai trouvé le paquet. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the hand of the law. You okay. Ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. T'as intérêt que ce soit un gun, un petit pistolet. There's a workbench right through this door. Attach that unit to your favorite weapon and go forth into glorious battle. Okay, très bien. I've come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Mm-hmm. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Okay. Je sens que je vais arrêter d'être mêlé à ça. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, j'avais un cerveau brillant tout à l'heure. Is a logic module. Yeah, allez. Et comment je suis censé faire? If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. On en avait un tout à l'heure, un mec. Ça me paraît assez simple à faire. If you die horribly, I will pour out a can of zero G to your memory. Ah, c'est gentil. Allez, salut. Maintenant, montre-moi ton établi. Voilà. Ok. Installer une modif. Silencieux du murmure. Ça change le physique ? Ah oui, ça change la physique. Ouh! Chargeur élec. Ouh! Allez, vendu. Ah, oh, il est beau! Ok. Et est-ce que c'est ce truc-là, je peux aussi améliorer... Oh! Ah oui, ça améliore des choses. Oh! Oh, oh, oh. Je peux zoomer? Non. Regardez. Monsieur Aïe. Ou même ça, c'est joli. Oh, d'accord. Ok, ça va être rigolo à faire. Putain, par contre, pourquoi j'ai tendance à... Ok, là, je vois pas de différence. C'est décevant. Ouf. Et un viseur. Ouais. Pour le moment, pas besoin. Ok, très bien. Bah, écoutez. Les amis, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que je suis pas trop gentil dans le jeu. Pour l'instant, il me paye, donc je le laisse vivant. Mais j'espère que ça vous plaît quand même. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures dans The Outer World. J'espère que ça vous plaît. Surtout, partagez, likez, abonnez-vous. Et commentez, donnez-moi vos avis sur ce que je pourrais faire. Est-ce que je dois être plus méchant? Est-ce que je dois être moins méchant? Est-ce que je dois être un peu plus... obnubilé par le pognon? Ou par l'XP, peut-être? Un peu moins d'XP, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Salut les gens, et yop!